Father, we honor your name. Hallelujah. Oh, let your Holy Spirit Je suis très honoré de pouvoir intervenir dans le cadre des 24 heures chrono, la cinquième édition. Alléluia. Dieu soit béni. Amen. Voilà, je vous prie de m'écouter quelques instants. Je voudrais lire un texte. Il m'a paru bon de vous partager ce texte de 2 Timothée, chapitre 1er, verset 1er. C'est un vieillard qui s'adresse à un jeune. C'est un vieillard qui a du chemin. C'est un vieillard qui a servi le Seigneur, qui a travaillé de nombreuses années. C'est un vieillard qui sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est l'œuvre de Dieu. Alors vous allez vous dire, le vieillard c'est moi parce que j'ai des cheveux blancs. Non, ça va? Et Paul va parler au jeune Timothée. On va parler maintenant de conquérir l'œuvre de Dieu, le travail de l'évangélisation. Quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est le travail de Timothée de pouvoir aussi faire l'œuvre d'un évangéliste, pouvoir s'occuper de l'œuvre de Dieu en local. Et ce texte, je vous le partage, je vous le cite. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'ailleurs et d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ce qui nous intéressera, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alléluia. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons là un serviteur de Dieu particulier. C'est un homme qui est allé très loin. Il a fait plusieurs voyages missionnaires. Il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Alléluia. Il priait, l'œuvre de Dieu naissait. Et il témoignait et l'œuvre de Dieu démarrait dans un endroit. Alléluia. Et il parle au jeune Timothée qui a son expérience, son cheminement à faire, sa vie, sa carrière à vivre et à courir dans la carrière qui est ouverte. La première chose que je voudrais voir, c'est ce que Timothée vivait, et c'est une question qu'on peut se poser. Te connais-tu comme un conquérant? Amen. Te connais-tu comme un conquérant? Ça veut dire, toi, quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois dans la glace, dans le miroir, dans ton quotidien, dans ton vécu de tous les jours? Te connais-tu comme un conquérant? C'était le problème du jeune Timothée. Il se voyait toujours petit et toujours, toujours derrière. Il avait besoin de changer le regard qu'il avait sur lui. Et voyez-vous, c'est tellement important de voir que Dieu nous aide dans sa grâce, de manière à ajuster, mais à nous regarder comme Dieu nous regarde. Alléluia, amen. De nous regarder comme Dieu nous voit, non pas comme moi je me vois,
mais comme Dieu me voit. Amen. C'est là toute la différence. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et il a payé un grand prix. Amen. Et c'est une richesse pour nous de le connaître, ce savoir faible. Mais par contre, ce savoir fort, parce que Jésus me fortifie. Amen. Jésus me fortifie, veux-tu le dire? Amen. Jésus me fortifie. Jésus me fortifie. Jésus me fortifie. Jésus me fortifie. Amen. Amen. Jésus me fortifie. Jésus me fortifie. Jésus me fortifie. C'est une parole de foi. Amen. Il disait au jeune Timothée, retiens dans la foi. Donc ça veut dire tu retiens dans la confiance. Tu retiens dans la confiance plus que tout. Et tu retiens dans l'amour, eh bien les paroles, les saintes paroles qui est en Jésus. Le modèle des saintes paroles que tu as reçu de moi. Paul a témoigné au jeune Timothée. Il lui a confié un héritage, il lui a confié une parole. Et il lui dit, tu le retiens dans la confiance. Ce que je t'ai dit, il faut le croire. Ce que je t'ai montré, il faut le vivre. Amen. Amen. Non, vous n'êtes pas là. Amen. Amen. Tu le retiens dans la foi et dans l'amour. Il dit Christ, le modèle. Et le modèle dans l'original signifie la maquette d'un projet. Et il lui dit, tu as Jésus comme le modèle par excellence, tu fais d'après le modèle, comme il avait été dit à Moïse, à l'homme de Dieu, pour l'arche de l'Alliance, pour l'arche de Dieu. Le tabernacle devait être fait d'après le modèle. Et il lui dit, le modèle, c'est la maquette de mon projet. La maquette, en général, quand vous faites une maquette de quelque chose, ça nous parle aussi de fragilité, croyez pas ? Jésus est venu parmi les hommes. Jésus est venu comme un homme. Jésus était incarné dans une chair, dans une faiblesse, comme une maquette, bien fragile et sensible. Mais il était le modèle. Il était la maquette du projet de Dieu. Amen. Alléluia, le modèle de Dieu. La maquette d'un grand projet, le salut de l'humanité. Jésus, le sauveur du monde. C'est une maquette, mais c'est aussi une maquette qu'il veut modeler, former. Et par rapport à Jésus, le modèle, c'est aussi ressembler au maître, ressembler à Jésus. On voit souvent trop de personnes qui cherchent à ressembler aux autres, alors qu'on est unique, alors qu'on est notre propre identité. Tu cherches à te voir au travers de quelqu'un de manière à essayer de ressembler avec sa tenue, de ressembler avec ses mimiques, de lui ressembler avec ses attitudes, ses façons d'être, ses façons de se comporter. Mais ce n'est pas ça ce que Jésus veut. Jésus veut que tu retiennes le modèle. Amen. Retiens le modèle. J'ai pas eu de modèle à la maison. Mon père finissait par taper ma mère. Et j'étais gamin et je voyais ma mère qui valdinguait dans les casseroles. Et j'entendais ça m'est resté dans l'oreille. Cette réalité-là, c'était à la maison. Sauf que le problème, c'est qu'à la maison, on connaissait l'Évangile. On n'était pas de ceux qui découvraient l'Évangile. On était de ceux qui connaissaient l'Évangile. Mais la maquette, un peu comme les enfants, vous savez,
On prend un puzzle en 3D, on prend la maquette d'un bateau, et dans la période de Noël, on commence à monter la maquette, on commence à faire un travail, on commence à joindre un peu les choses, et on commence à regarder les choses. Et à un moment donné, on met la maquette de côté. On se dit, c'est pas la peine, j'y arriverai pas. C'est pas possible, c'est au-delà de mes forces. Et voyez-vous, le problème, c'était ça aussi à la maison. C'est que Jésus, on l'a mis de côté. La maquette, elle a été mise de côté. Et à la maison, c'est devenu un cauchemar. Et moi, j'étais le troisième des garçons. Et j'avais un frère aîné, le deuxième, et moi le troisième. Et un jour, à force de mettre Jésus de côté, il a fallu que ma mère, elle parte. Parce que ça devenait assez délicat à la maison. Alors maman a pris ses trois garçons, ses affaires, et elle est partie. Parce que sinon, ça aurait fait très mal, et ça aurait été très difficile. Et voyez-vous, le modèle, il ne faut pas le perdre de vue. Les valeurs familiales aujourd'hui, elles ne tiennent pas. Malheureusement, ceux qu'on avait pour modèle et pour repère, du jour au lendemain, ne tiennent pas la route, ne tiennent plus la route, et que Dieu me garde. Alors j'ai cheminé, parce que les valeurs familiales, pour moi, c'était des choses que je ne maîtrisais pas. Il y avait un échec sur ma vie, il y avait un échec sur mon existence, la famille. Alors comment faire? Quand j'ai commencé à fréquenter mon épouse, alors j'ai trouvé là une famille différente. Une famille différente parce que ma belle-mère était chrétienne. Ma mère avait tout lâché, mon père a tout lâché. Mais là, la belle-mère a été chrétienne et le beau-père n'est pas chrétien, malheureusement. Mais là, pour moi, j'avais un modèle. Voyez-vous ? Mais je dirais, le modèle m'a été donné pour un temps, pour une étape, pour m'accompagner. Et il m'a fallu avant tout regarder à Jésus, le modèle. Parce que par là aussi, il y a eu aussi des gars. Par là aussi, il y a eu des besoins, des détresses qui étaient cachées. Voyez-vous, ce que je vous dis, c'est une réalité. Le projet d'une maquette, c'est ce que Dieu fait pour toi. Amen. C'est ce que Dieu permet pour toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il y a un grand projet sur ta vie, tu n'imagines même pas. Et si tu dis d'accord, tu dis amen. Un amen bien. Un amen bien. C'est le projet de ta vie. C'est un beau projet. C'est une belle maquette, j'allais dire un chef-d'œuvre. Il nous est difficile de nous regarder comme un chef-d'œuvre. On regarde nos enfants comme les cinquièmes merveilles du monde, mais nous-mêmes, c'est difficile de dire « Ah, que je suis une belle créature !» Amen. C'est compliqué. Mais voyez-vous, Paul, il parle au jeune Timothée. Et Paul ne verra pas la suite, ne verra pas ce qui se passera pour Timothée, ne saura pas ce que saura sa vie. Et Paul devra finir sa vie d'une manière particulière. Mais par contre, il investit dans le projet d'une maquette. Parce qu'il parle, il ne se tait pas et il témoigne au jeune Timothée de manière à ce que lui puisse aller transmettre à d'autres. Amen. Il ne faut pas qu'on soit les consommateurs du Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est que on est bien entre nous, croyez pas? C'est formidable. Amen. Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes plus d'accord? On est bien entre nous. On est bien entre nous. Alléluia. Mais Dieu a un projet à accomplir avec toi. C'est une maquette, c'est un projet divin. C'est une volonté de Dieu pour faire de toi un chef-d'œuvre et qui va permettre à d'autres d'atteindre ta génération, d'atteindre des âmes et qui sont en attente de te voir venir. Lorsque mes grands-parents sont venus au Seigneur,
celle qui allait devenir ma mère, elle était gamine. Et mes grands-parents avaient 5 enfants. Ils avaient 2 filles et 3 gars. Et celle qui était atteinte d'une leucémie, c'est celle qui deviendra ma mère. Et il y a un évangéliste de campagne qui vient et qui parle à mon grand-père. Il dit, écoute, on va prier avec l'église. On va prier pour ta fille. Et ils sont partis prier. Un jour, il est revenu, il prie et elle a été guérie instantanément. Alléluia! Amen! Amen! C'est merveilleux! Elle a été guérie. C'était là l'embryon d'un projet, d'une maquette. Vous vous rendez compte? C'est bien tombé parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'une leucémie, on peut la soigner, on peut avoir un traitement, mais à l'époque, ma mère est née dans les années 50. Donc c'était un sacré problème. Et il a transmis un témoignage. Je voudrais vraiment vous alerter sur ça. On a parlé tout à l'heure de témoins. Il y a deux choses, témoin, témoignage. Mais le mieux que Jésus veut que tu comprennes, c'est pas témoignage. Parce que témoignage, tu peux faire ta BA, tu peux le faire une fois, tu peux aller dire à quelqu'un que Jésus l'aime, et après tu te dis, j'ai rendu témoignage. Mais Jésus t'appelle à être témoin, c'est pas pareil. Ça veut dire non-stop, c'est pas du 24 heures, c'est du 7 jours sur 7, 24 sur 24. Amen. C'est en continu avec Jésus. Et c'est tellement important. Une parole change tout. Un témoignage change tout. Un témoin change tout aujourd'hui. Quelqu'un qui vit sa foi, qui vit avec Christ, qui vit avec Dieu, qui vit son quotidien, alors ça transparaît, ça se voit, ça se remarque. Jésus ne nous a pas donné un esprit qui nous remplit de timidité. Ça se traduit aussi par de la lâcheté dans l'origine des mots. Il ne nous a pas fait lâches. Il nous a fait plein de force, d'amour et de sagesse. La sagesse de Dieu, pas la sagesse diabolique, mais la sagesse de Dieu. Celle qui remonte les plans et qui prend des mains du diable. Et qui arrache des ténèbres des âmes, amen, et qui les tire de l'enfer afin qu'ils passent des ténèbres à l'admirable lumière. Alléluia! Et ça, c'est toi, et ça, c'est ta mission, et ça, c'est la maquette d'un chef-d'œuvre. C'est en toi qu'est plantée la vie, amen. Alléluia! Le Seigneur est en train de faire un beau chef-d'œuvre. Parce qu'après la présence de Dieu, après ces moments à les passer ensemble, alors Dieu compte sur toi. Parce que tu ne peux pas garder pour toi la bénédiction. Mais c'est une bénédiction comme Abraham, et qui bénit ceux qui te béniront. Amen. Amen. C'est important de bénir. Vous voyez, souvent dans les psaumes, l'homme de Dieu, David, il y a souvent un état d'esprit où parfois c'est bien vite de la rancune, de la méchanceté. Et au lieu de témoigner, c'est plutôt du dégât, c'est plutôt des mauvaises choses. Et nous avons à nous repentir pour ces choses-là. Et quand le témoignage est contraire, quand le témoignage n'est pas donné, quand le témoin n'est pas vu, quand le témoin n'est pas remarqué, c'est tellement important aux yeux de Dieu. Nous, on n'a pas conscience. Mais Dieu, oui, il regarde. Et c'est tellement important parce qu'on le voit dans les textes. Et on le voit parce que c'est tellement important aussi au regard de Dieu, mais c'est aussi pour nous. Et un conquérant, voyez-vous, il a un problème. C'est parce que, un peu comme Timothée, il veut assez rapidement lâcher prise. Le conquérant, parfois, il est confronté au risque de raccrocher. Je ne sais pas si ça te parle. Je ne sais pas si tu as conscience.
que peut-être que dans ta vie, le témoignage, ce n'est pas une réalité. C'est une réalité, mais il y a un certain moment, tu as peut-être comme raccroché. Et tu as peut-être même raccroché pour rendre témoignage, pour un service, pour une vocation. Et tu as peut-être arrivé à dire, non, c'est trop dur pour moi. Timothée, il a commencé l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit qu'il a souffert. La Bible nous dit qu'il a souffert, il a pleuré. Et Paul, quand il écrit, il dit, me rappelant tes larmes, me rappelant ce qui a fait ta douleur, me rappelant ce qui a marqué ton cœur, me rappelant que tu n'as pas eu facile dans ton travail, dans ton ouvrage, et tu as raccroché. Et Paul, le vieillard, au lieu de lui faire la morale, il vient pour lui dire, et tu es un chef-d'œuvre, tu es une maquette, et tu es celui que Dieu a choisi. Amen. Trop longtemps tu as raccroché. Trop longtemps, tu as arrêté. Mais un conquérant, ce n'est pas celui qui arrête. C'est celui qui se relève toujours. Amen. Amen. Allez, levez-vous avec moi. Ma voix de français vous endort. Levez-vous, levez-vous. On va prier Jésus. Amen. On va prier Jésus. On va se tenir devant Jésus pour lui dire, mais Seigneur, peut-être comme Timothée, j'ai raccroché. Il y a des choses que j'ai mis au placard. La plaquette, je l'ai rangée. La plaquette, c'est pas un chef-d'œuvre pour moi. C'est que des pièces décollées les unes des autres. Et c'est comme un ouvrage incohérent. C'est comme un ouvrage qui ne colle pas à la réalité. Seigneur, me voici devant toi. Je suis ton chef-d'œuvre. Réalise que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et tu es le chef-d'œuvre de Dieu, la beauté incarnée de l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Et tu es un chef-d'œuvre, une maquette en pleine construction. Et on ne peut pas l'arrêter, l'ouvrage, parce que c'est son travail, c'est sa volonté. Amen. On lève les mains vers Jésus. Amen. Et on prie tous ensemble pour lui dire, Seigneur, reçois ma vie à nouveau, reçois-moi tel que je suis. Parce que dans le message, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin pour dire, Seigneur, on est en face. On est d'accord, on est prêt, Seigneur. Alors on va prier ensemble, amen. Prions le Seigneur, amen. Seigneur, on te prie. Te prie, Seigneur, d'être à l'œuvre au milieu de nous. Te prie, Seigneur, travaille en nous, Seigneur. Donne-nous de réaliser qu'on a de la valeur. Donne-nous de réaliser que tu construis, tu fais un travail. Et tu mènes une œuvre dans nos vies, Seigneur. Nous sommes l'ouvrage, nous sommes une maquette devant toi. Et nous sommes de ceux, Seigneur, qui t'appartiennent. Seigneur, nous prions ensemble. Te demandons pardon pour les fois où nous avons mis de côté ton travail. Nous avons négligé la valeur des choses. Nous avons négligé l'intérêt que tu avais pour nous. Seigneur, fais-nous grâce. Viens faire grâce, Seigneur. Éveille en nos cœurs une nouvelle passion, un nouveau désir. Éveille en nos cœurs, Seigneur, ce témoin. Seigneur, fais de moi un témoin. Fais de moi un ouvrier dans la moisson. Seigneur, éveille mon cœur. Réveille-moi sur mes responsabilités, Jésus, amen. Oh, béni que le corps n'est pas lié. Les règles ne sont la raya galala ya kiri de l'yo. Yel en destor en arreke. Yo ta sala la rey de l'yo l'honoro de l'yo. Ne fra ya stala la rey de l'yo. Entends nos prières, Seigneur. Oui, dis à Jésus, dis tout à Jésus. Dis-lui à Jésus, je suis ton ouvrage, je suis ton chef-d'œuvre, je suis ta maquette, Seigneur. Continue le travail dans ma vie. Continue le travail, Seigneur, amen. Continue l'ouvrage. Seigneur, viens parfaire ma vie devant toi. Viens, Seigneur, me relever de mes pleurs. Viens me relever de mes faiblesses. Viens me relever de ma souffrance et donne-moi d'être un témoin pour toi,
un témoin pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous prenez l'origine du mot modèle, il est question de maquette. Mais le modèle, on le mettait aussi en dessous une feuille pour pouvoir poser par-dessus une feuille et de copier ainsi. On dirait aujourd'hui un papier calque. Vous savez ce que c'est ? Les enfants dessinent d'après un modèle. Et le modèle par excellence, c'est Jésus lui-même. Amen. C'est Jésus lui-même. Il a été mis en dessous. Et par-dessus a été mis un autre papier. Et le papier vient du bois. Et le bois nous rappelle la croix. Et Jésus lui-même a été posé. Parfois il était piétiné. Parfois il était négligé, Jésus le modèle. Par contre, lorsque tu dessines les contours de sa vie, ça prend forme pour nos vies. Amen. Ça prend forme dans nos cœurs, ça prend forme dans nos sentiments, ça prend forme parce qu'il est le modèle. Jésus a accepté d'être humilié. Il s'est abaissé lui-même afin que tu puisses écrire par l'ouvrage de ta vie d'après lui et d'après son modèle, afin que d'autres voient au travers de ta vie. Alléluia. Si Paul parle au jeune Timothée, c'est qu'il voudra le propulser dans l'œuvre de Dieu. Mais vous allez me dire, mais comment Dieu peut faire pour propulser quelqu'un qui s'est arrêté ? C'est pas logique. Mais voyez-vous, la foi de cet homme, Paul, c'est une foi dans l'impossible. Parce que quand Paul va voir le jeune Timothée, il se dit, mais c'est compliqué, le plan, il est comme mort. Le plan, il a comme avorté, c'est comme quelqu'un qui démarre l'œuvre de Dieu et qui arrête. C'est pas possible. Et voyez-vous, la démarche, merci mon frère, la démarche est que Paul, s'il parle au jeune Timothée, c'est qu'il a une parole de Dieu. Une parole de Dieu. Une parole de foi, une parole à propos, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, amen. La parole de Dieu relève tous les défis, la parole de Dieu relève toutes les maquettes, la parole de Dieu donne les formes, et qui manque ? Paul voudra propulser le jeune Timothée. Et Paul avait dit, vous savez, il avait été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Et Paul partage ça avec les Philippiens de façon à ce qu'ils prient pour lui. Et Timothée a besoin de la prière. Vous avez des jeunes, des personnes qui se lèvent dans l'église locale. Il faut prier pour eux. Amen. Je me souviens d'un frère qui était très âgé. Il est arrivé à la retraite. Et ce frère, j'avais appris dans notre église que ce frère avait commencé à rentrer dans l'œuvre de Dieu. Il a commencé à servir le Seigneur. Mais voyez-vous, comme je disais, la maquette, il l'a rangée au placard. Parce qu'il a eu peur, parce qu'il a eu mal, parce qu'il a souffert, parce que c'était compliqué l'œuvre de Dieu. Donc il a fini par dire, moi j'arrête, moi je me mets en retrait, la maquette c'est ok, mais c'est pas pour moi, c'est plus pour moi. Je bénis Seigneur, parce que la suite, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voulez la suite ? Vous voulez la suite ? Amen. Alléluia. Amen. C'est que ce frère-là, il a passé toute sa vie à regretter de ne pas être rentré dans l'œuvre de Dieu. Toute sa vie. Vous savez, quand il y a un appel qui pèse sur notre vie, il y a un appel de Dieu qui est là, on ne peut pas l'enlever.
On aimerait bien nous se mettre de côté par rapport à d'autres, mais on ne peut pas. Quand c'est là, c'est là. Et lui, il a fait toute sa carrière, toute sa vie comme ça. Et quand il arrive à la retraite, le Seigneur lui a dit, « Toi, je te cherche. Toi, je te veux. J'ai encore besoin de toi. Toi, je désire te prendre à mon service. » Lui, il s'était dit, c'est terminé, je ne suis pas rentré dans le pastorat, alors c'est terminé pour moi. Dieu s'est servi de lui comme un ancien, il est toujours vivant, comme un ancien remarquable dans une assemblée locale. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Dieu a un plan, il ne se repent pas de ses appels et de ses dons. Alléluia. Vous allez répéter avec moi, Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons. Alors arrête de douter. Arrête de douter dans ton quotidien. Amen. Arrête de douter, tu as des dons en toi. T'as une richesse en toi. Il y a des capacités en toi. Amen. Alléluia. Ça vient de lui. Il nous a donné parce qu'il nous aime. Et voyez-vous, Paul parle au jeune Timothée 3 ans après. 3 ans. C'est long, 3 ans. Quand t'as pas la paix dans ton cœur, 3 ans, ne croyez pas que c'est long. C'est long, c'est pas long. C'est très, très, très long. C'est comme infernal même. Parce qu'il dit, mais j'aurais su, j'aurais continué, mais non, je ne peux pas. J'aurais su, j'aurais pris la victoire, mais non, je ne peux pas. C'est trop dur pour moi. J'aurais su, j'aurais continué, j'aurais réussi, mais non, je ne peux pas. C'est ça le problème. Et il y a certainement des Timothées au milieu de nous. De ces Timothées, vous savez ce que signifie Timothée? Vous savez ce que ça signifie son nom? Honoré par Dieu. Alléluia. Honoré par Dieu. Timothée, malgré ses faiblesses, malgré ses lacunes, malgré son désistement dans l'œuvre de Dieu, eh bien, il était quand même honoré de Dieu. Il était quand même considéré de Dieu, mais Dieu voulait l'honorer pour qu'il contribue à son œuvre. Amen. Dieu aimait son serviteur. Dieu aimait ce jeune gars. Aujourd'hui, on dirait, mais Dieu aime encore cette jeune fille. Honoré par Dieu. Il était honoré par Dieu. C'est étonnant parce que quand vous regardez bien, il était né d'un père qui était grec et d'une mère qui était juive et pieuse. Nous, on aurait dit quoi? C'est un mariage illégitime. C'est contraire à la Bible. Et le nom qu'ils ont donné à ce jeune, c'est Timothée, honoré par Dieu. Amen. Dieu est bon, hein, croyez pas? Dieu n'est pas bon. Dieu est bon, amen. Alléluia. Dieu est bon, amen. Honoré par Dieu. Il était honoré par Dieu malgré ses faiblesses, malgré ses lacunes. Le regard bienveillant de Dieu était là. Le regard de Dieu était là sur la vie de ce jeune serviteur. Le Seigneur a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Amen. Seigneur veut trouver en nous, si Dieu sait nous honorer, il veut trouver en nous le moyen de l'honorer. Et quand tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, et que, en fait, par ton attitude, tu n'honores pas Dieu, alors Dieu t'honore. Dieu t'accueille comme étant son enfant.
Mais il attend de nous que nous puissions l'honorer. Amen. J'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui, dans son cœur, retient dans la foi et dans l'amour les paroles que j'ai dites, disait Paul. J'honorerai les paroles de foi, bien chancelant et tremblant parfois. Mais Seigneur, je veux demeurer devant toi dans ma faiblesse, parce que je sais que tu honoreras toujours ton serviteur. Alléluia. Il m'amène un paquet de mouchoirs. Ils sont certainement en train de se dire, ils se décomposent. Il est en train de transpirer, il n'en peut plus. 3 ans après, je ne sais pas si on réalise, Dieu est capable de te rattraper. Après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, alléluia! Amen! Amen! Dieu te rattrapera toujours, alors arrête de courir. Autant rendre les armes. Cours pas le risque de combattre contre Dieu. Reste du bon côté parce que tu es honoré par Dieu. Alléluia! Parce qu'il a fait, parce qu'il donne encore dans sa grâce. 3 ans après, il lui dit, ranime le don. Alors il va falloir faire un peu de ménage chez Timothée. Tu vas remplacer la peur par la force, les pleurs par la joie, la détresse par la confiance. Amen. Ça vous tente? Amen. De pouvoir remplacer les choses, de remplacer la timidité par l'assurance d'un jeune Timothée qui a dégusté, qui a pleuré, qui a langui, qui a tout arrêté, et de manière à le voir plein d'assurance, de le voir avec la grâce de Dieu. Et tu es fait non pas pour rester timide, mais tu n'es pas fait pour rester dans le placard, tu n'es pas fait pour rester en bas, et tu n'es pas fait pour rester, pour tout abandonner. Mais tu es fait pour vivre pleinement, amen. Et tu es fait pour vivre la grâce. Et tu es fait pour triompher en Christ. Alléluia. Après la faiblesse, le relèvement. Amen. Après la difficulté, je me relève, Seigneur. J'ai assez pleuré maintenant. Alléluia. Vous souvenez certainement que l'homme de Dieu, Samuel, pleurait sur Saül. Et à un moment donné, Seigneur lui a dit, mais t'arrêtes de pleurer sur Saül. T'arrêtes de pleurer sur lui. Parce que c'était devenu irrévocable. C'était devenu total, une complète folie. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est pas que ça devienne irrévocable, c'est que ça revienne. Comme on a fait ce matin, on a renversé, amen. On a renversé parce que Dieu renverse les situations. Et Dieu parfois retourne nos cœurs comme une crêpe, de manière à nous ramener à l'essentiel. On n'est pas fait pour être dans les pieds du diable. On est fait pour marcher sur la tête du diable. Alléluia! Amen! On n'est pas fait pour être dans les pieds du diable. On est fait pour marcher sur la tête du diable. Alléluia! Ça, c'est une grâce. Alors, s'il y avait un problème majeur pour Timothée, la pression du ministère, des problèmes, des gens compliqués et qui compliquaient tout, l'affaiblissement, la persécution dans sa fonction, il lui adresse une exhortation pour relire en 25 impératifs. Et il lui dit, mais l'esprit accordé par Dieu, ce n'est pas l'esprit de lâcheté, de timidité, de défaitisme. Ça fait mal quand il faut se repositionner et dire, Seigneur, c'est moi qui déraille là. C'est moi qui n'ai plus dans la confiance. Alors Seigneur, je me repositionne par rapport à ta volonté. Je me repositionne par rapport à ton appel. Je me repositionne par rapport à ton amour. Amen. Tellement important de pouvoir vivre ainsi.
L'esprit nous rend fort, réfléchi, enthousiaste. C'est un esprit actif et aimant qui nous donne un jugement saint, une parfaite maîtrise de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de servir vaillamment. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de supporter patiemment. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de souffrir triomphalement. Et s'il le faut, de mourir glorieusement. Amen. Alléluia. Jésus veut faire sa victoire en toi. Jésus veut nous donner de triompher en lui. Même si on doit nous piétiner, nous marcher dessus, il faut que ton abaissement glorifie la personne de Christ. C'est important au regard de Dieu. Amen. Et ce n'est pas évident à vivre. La chair en prend un coup. Et dans le ministère, on sait de quoi on parle. Mais c'est ainsi. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. On peut être en panne dans l'exaucement parce qu'on n'honore pas Dieu. On peut être en panne dans notre vie de prière parce que ça fait un moment qu'on n'honore plus Dieu. Et voyez-vous, pour Dieu, ça, c'est important. Ça, ça compte. Et c'est important de dire et de se dire, eh bien, que Dieu exauce ceux qui l'honorent. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu exauce ceux qui l'honorent. Et quel privilège de pouvoir vivre ainsi pour la grâce et la gloire du Seigneur. Alléluia. Concernant l'appel de Dieu, vous m'auriez dit il y a 18 ans, parce que je sais bien derrière ce que ça représente dans mon cœur. Il y a 17 ans, 18 ans, ce que ça représentait pour moi. L'œuvre de Dieu, c'était un cauchemar, c'était dur à vivre dans mon cœur. Et le problème, c'est que c'était que le début. Alors, à un moment donné, j'ai commencé à me dire, je vais raccrocher, je vais arrêter. C'est pas pour moi. Et il a fallu que j'aille en parler à un pasteur. Et un pasteur m'a reçu, m'a prêté son épaule pour que je puisse vider mon sac, pleurer sur son épaule et lui dire, mais tu vois, eh bien je sers le Seigneur, c'est dur, c'est compliqué, et le sentiment pas être compris, etc., etc., et c'est dur. Et il m'a dit, mais écoute, si tu viens dans l'assemblée, je te prendrai avec moi. Je vais m'occuper de toi. Et quand le frère, il m'a pris dans l'assemblée, je suis revenu parce que c'était mon assemblée locale au départ. Je suis revenu au bout d'une année. Et en fait, quand il m'a repris, alors que j'avais démarré les réunions, j'en faisais une par semaine. Je faisais une réunion par prière, de réunion de prière par semaine. Et là, d'un coup, il me dit, si tu reviens, je te prends. Alors je rentre à la maison, c'était mon église locale. Là où je suis né spirituellement, là où on s'est marié, là où on a eu notre premier enfant, on rentre à la maison, ce n'était pas évident à vivre. Ce frère qui me dit, tu viens, je te reprends. En fait, le frère m'a fait attendre dans les rangs pendant 3 ans. Croyez-moi, ça travaille. J'ai bien fait ou j'ai pas bien fait? On ne sait pas. Et ça travaille dans notre cœur pour dire combien parfois Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Et quand il m'a repris dans le service de Dieu, dans mon cœur, les choses étaient calées, les choses étaient prêtes, les convictions étaient reçues. Les promesses étaient réceptionnées, la maquette était prête, elle était ressortie, elle était au goût du jour. C'est l'œuvre de Dieu, voyez? Et c'est le travail de l'œuvre de Dieu. Il y en a parmi nous qui ont tout arrêté. Il y en a qui ont abandonné.
qui ont arrêté de croire que c'était possible de pouvoir servir. On a vu les autres. Et les autres font tellement bien, font tellement mieux, font tellement parfaitement, sont tellement dévoués, sont tellement consacrés. Ma prière, c'est que Dieu bénisse. C'est que Dieu vous bénisse. C'est que Dieu donne des dons, des appels. Et qu'il les appuie dans vos cœurs. Et qu'il les appuie dans vos cœurs. Amen. Et qu'il les appuie inlassablement dans vos cœurs. Que tu n'aies pas de relâche. Tant que tu n'es pas faibli devant le Seigneur. Tant que tu n'es pas prosterné devant le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je reconnais que ma vie, elle a une destinée. Je reconnais que ma vie a un objectif. Je reconnais que ma vie a un plan à travers, à accomplir. Amen. Tellement important. Il y a 15 ans, il y a 18 ans en arrière, vous m'auriez dit, ce que je vivrai aujourd'hui dans le ministère, je t'aurais dit, mais ça ne va pas là-haut. Il y a 15 ans, tu m'aurais dit, tu iras prêcher en Afrique, je t'aurais dit, mais ça ne va pas là-haut, t'es un petit peu dérangé. Moi, tu dois te tromper quand même. Moi qui étais un grand timide, tu m'étais au dernier rang, j'étais bien moi. Et j'étais heureux moi au dernier rang. J'aurais fait ma vie au dernier rang, pas de problème. J'aurais pas fait de problème au pasteur. Il y a 18 ans en arrière, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non. Et ça revient à ce que disait mon responsable de jeûne, mon père spirituel. Il disait, mais si Dieu doit tout nous révéler d'un coup, on aurait peur. Parce qu'on a tendance à être lâche. Mais Dieu est bon et nous donne son esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Tu ne peux pas, je ne peux pas moi-même. Je ne peux pas suffire. Je ne peux pas se caler dans la volonté de Dieu à nous-mêmes. On ne peut pas chercher par nos efforts. C'est Dieu qui fait au travers de nous. Alors quand on a lâché la main de Dieu, c'est parce qu'en fait on a plus regardé notre faiblesse que Dieu. Et ça, il faut y revenir. Parce que Dieu n'a pas changé sur ses paroles. Dieu n'a pas changé sur ses paroles. Alléluia. Conquérir. Conquérir aussi de nouveaux territoires. Je voudrais vous emmener un petit peu plus loin. Parce que il faut se poser cette question. Connais-tu le territoire à conquérir? La foi me fait dire cet après-midi que demain, il y aura des hommes et des femmes qui quitteront le pays pour aller quelque part, pour être envoyés à quelque chose. Amen. La foi, c'est ça. Je déclare qu'il y a des ouvriers parmi vous et qui demain quitteront les rangs pour partir dans la mission, pour partir dans l'œuvre de Dieu, et pour servir le Seigneur, et pour répondre à l'appel. La confiance de Dieu. Mais on doit se dire quand même, connais-tu le territoire à conquérir? Alors tu vas me dire, mais je sais déjà pas que je pars, et je ne peux pas savoir où je pars. Et je ne peux pas savoir quoi faire. Vous savez que parfois ça va très vite avec Dieu. Il suffit d'un moment avec Dieu. Où Dieu bouleverse, change le cours d'une vie. De manière à appuyer sur nos cœurs. Pour dire, toi tu es mon serviteur. Je ne peux pas me passer de toi, j'ai besoin de toi. J'investis sur toi. J'investis par ta vie. Amen. Connais-tu le territoire à conquérir? Le révérend Maï m'a demandé d'aborder la question dans le sens où on a besoin d'ouvrir un travail dans un autre peuple, dans une autre culture. Il y a d'autres usages, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres personnalités, il y a d'autres problématiques. Et il faut qu'on ait conscience dans l'œuvre de Dieu, c'est pas faire le copier-coller. Vous connaissez le copier-coller? Ça dépanne bien, hein, parfois. Mais dans l'œuvre de Dieu, Dieu veut pas du copier-coller. Il veut nous aider à faire son œuvre. Et avec sa grâce,
avec une parole dite à propos. Amen. Cette parole qu'il donne, qu'il confie, parce que c'est sa parole et qui est vivante. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen, tu vas dire avec moi, ton Dieu ordonne puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Dieu attend de toi que tu sois fort, alors que tu te sens faible. C'est le contraste, c'est les décalages, parfois on ne comprend pas ça. Mais c'est quand je suis faible que Jésus me fortifie. Amen. Alléluia. J'ai remarqué aussi, quand on parle de territoire à conquérir, c'est que la parole de Dieu, la loi avait une précision à donner. Il y avait une exigence divine quand on parle de la conquête de la terre promise. J'ai noté une condition en fait à la bénédiction. Je cite le texte, « Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Cinq d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. » Alors les ennemis, ce n'est pas la chair, le sang, quand bien même on t'aurait fait du mal, du tort. Mais c'est les esprits méchants dans les lieux célestes qui te mettent une telle pression, un tel problème sur le dos, sur les épaules, que toi tu pars vite en courant, mais en réalisant Christ, l'espérance de la gloire. Alors on se dit, mais tout est possible. Par contre, le texte dit, vous en poursuivrez 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Alléluia. Vous vous souvenez certainement que pour David, l'homme de Dieu, on avait chanté. Et on avait chanté un chant qui va poser un problème au roi du pays à l'époque. C'est Saül a tué ses 1 000, mais David en a tué ses 10 000. Alléluia! Saül en a tué 1 000, mais David ses 10 000. Ça vous dit rien? C'est qu'en fait, c'était par rapport à la loi. Saül, il a fait le minimum vital. Par contre, David, il a été conquérant. Il a rentré dans le texte, dans la loi, dans le texte de Lévitique 26:8, pour reconnaître qu'il avait quelque chose à faire selon une exigence. Dis-moi, combien t'en as des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers. Voyez-vous, bien-aimés, par rapport à la conquête, il y a une obéissance. Dieu voit là une obéissance. Et c'est un objectif que d'aller conquérir, que d'aller pour gagner, que d'aller pour prendre les 10 000. Ce n'est pas pour faire quelques témoignages, c'est pour déclencher le maximum. C'est pour faire le maximum dans l'œuvre de Dieu, que Dieu investit sur toi. Ce n'est pas pour faire un petit peu de témoignage, ça vaut bien, mais c'est pour faire le maximum. Seigneur, ta parole a dit, tu attends de moi d'en faire 10 000, alors je vais en faire 10 000. Je vais faire un travail dans l'obéissance, dans l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Saül a remporté des batailles. Mais David a été un vaillant conquérant parce qu'il le vivait comme le voulait Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu nous fortifie de manière à vivre les choses comme Dieu le veut, non pas comme je le veux, non pas comme je le fais, non pas comme je l'entends, non pas comme je le désire. Mais Seigneur, donne-moi d'être obéissant pour être vraiment un conquérant à ton modèle, à ton exemple. Alléluia. Si nous agissons, nous servons le Seigneur, c'est aussi d'après des promesses. Parce que David, mon serviteur, que je délivrerai, c'est par lui que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis.
La désobéissance fait qu'on ne peut pas assumer tous nos combats. Il y a des combats qu'on a laissés, qu'on a abandonnés. Il y a des combats dans lesquels on a déclaré forfait. C'est dit, c'était pas jouable. C'était pas envisageable. Mais l'obéissance de Dieu, c'est nous faire triompher dans les combats, dans ce qui est dur, ce qui est long, ce qui est pénible. Et c'est important de dire que la désobéissance est importante à considérer parce que le Seigneur veut qu'on rentre vraiment dans sa parole. Il veut qu'on accomplisse d'après sa parole, qu'on pose le pied sur sa parole, qu'on soit ni plus ni moins des personnes de sa parole, mais qu'on soit aussi des gens de parole. Aujourd'hui, la parole se perd. Aujourd'hui, si tu veux un engagement, il faut qu'il soit fait avec un téléphone, il faut qu'il soit écrit, il faut qu'il soit faxé, il faut qu'il soit fait par mail, il faut qu'il soit tamponné. Et pour valider tout ça, c'est une parole qui, au fond, ne tiendra même pas le coup. Seigneur, fais de toi quelqu'un de parole, qui tiendra sa parole, mais qui tiendra ses paroles, ses engagements, pour dire, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi, pour vivre les choses comme tu le vois. Soyons de la parole. La parole fasse corps avec nous. Que la parole soit notre quotidien, pour dire, Seigneur, je veux pas lâcher prise, mais je veux que la parole me tienne et qu'elle m'entraîne dans tes voies et que ton nom soit pleinement glorifié. Alléluia. Alors arrête de regarder dans le camp de l'adversaire, regarde à Jésus. Amen. Arrête de regarder dans le camp de l'adversaire, regarde à Jésus, c'est tellement important. Et vous savez, dans l'œuvre de Dieu, si nous devons conquérir de nouveaux territoires, nous ne partons pas comme à l'aventure, nous ne frappons pas comme battons l'air. Mais des nouveaux territoires, comme je disais, pour des ouvriers, pour des hommes, pour des femmes, pour des jeunes, pour des personnes, pour des couples, des familles, qui demain vont partir en Europe, qui demain vont partir en Asie, qui demain vont partir aux USA. Ils vont devoir travailler d'une autre manière, vivre d'une autre manière, vivre l'Église d'une autre manière, de chanter peut-être d'autres cantiques, d'avoir d'autres modes de fonctionnement, c'est une réalité. Le but, c'est pas se faire plaisir, le but, c'est de servir Dieu, le but, c'est de répondre à son appel, le but, c'est de faire ce que lui dit, parce que c'est là que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Amen. Et nous avons besoin, comme Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Notre réveil en France a démarré dans les années 30, parce qu'un homme a répondu à l'appel de Dieu. C'était le frère Douglas Scott. Et quand il est arrivé en France, il venait pour perfectionner son français, il parlait mal. Il arrivait en Normandie, dans la région du Havre. Et il avait reçu des prophéties, il avait reçu des paroles de Dieu qui lui diraient « Mais je vais me servir de toi en France, je vais me servir de toi, tu vas annoncer l'Évangile. » Et lui, quand il prêchait l'Évangile, on rigolait. Il parlait mal le français. Il parlait très mal. Il butait sur tous les mots. Il crochait partout. Par contre, quand il priait, tout le monde pleurait. Alléluia! Parce qu'il y avait des conversions, des changements de vie, des implantations d'église. Il y avait des guérisons, il y avait une œuvre de Dieu merveilleuse. Il était un faible canal, un instrument bien vacillant, bien faible. Mais Dieu se servait de lui et Dieu a fait son œuvre. Et il a implanté beaucoup d'églises en France. Il a levé beaucoup d'ouvriers, de serviteurs, il les a établis dans les églises locales. Et après un temps de guerre, il est parti en Afrique pour continuer le travail de manière à annoncer l'Évangile. Et après la guerre, il est revenu pour continuer et il a passé toute sa vie à servir le Seigneur, à prêcher l'Évangile. Alléluia! Quel exemple remarquable! Tu as une mission à accomplir.
Alléluia. Tu as une mission à accomplir. Dis à ton voisin, tu as une mission à accomplir. Dis à ton autre voisin, tu as une mission à accomplir. Amen. Et cette mission-là, ce n'est pas ton voisin qui peut le faire pour toi. On est d'accord? Hein? Et cette mission-là, c'est une œuvre de grâce. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le projet de Dieu, c'est la maquette, c'est l'ouvrage. C'est l'arche du salut que Dieu réalise. Mais il réalise ça avec toi, parce que tu es son chef-d'œuvre. Et Dieu désire travailler avec son Église. Il veut que tu puisses y aller, Dieu cherche. Et comme Isaïe a pu dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Amen. Le pays à conquérir, nul prophète n'est prophète dans son pays. La parole du Seigneur me parvint, avant que je te fasse homme, dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué, avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais fait prophète des nations. Dans le texte, c'est prophète pour les nations. Prophète pour bénir les nations, prophète pour bénir. Prophète pour aider les nations, pour les accompagner et pour les fortifier. Le verbe hébreu formé rappelle un mot traduit par rocher. Certains vont traduire même par dire « je te convoque » ou « je te préserve ». « Je t'avais distingué ou choisi ». Littéralement, c'est aussi « je t'ai connu ». En fait, je t'ai connu comme mon serviteur. Je t'ai connu comme ma servante. Dieu ne te connaît pas autrement. Donc ça serait incohérent de se connaître autrement, voyez-vous? Dieu te connaît comme son serviteur. Dieu te connaît comme sa servante. Et que tu sois jeune. Il y a une diversité de ministères. Mais à chacun le sien. Amen. À chacun le sien. Ministère veut dire service. Et chacun a reçu de la part du Seigneur quelque chose à faire. L'Évangile est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte des fruits. Et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Amen. Cet Évangile, il porte du fruit par toute la terre. C'est merveilleux, hein? Quels que soient les peuples, quelles que soient les nations, quelles que soient les origines, quels que soient les gens, les besoins, les problèmes, les difficultés, quelles que soient les choses, c'est la parole. Ça ne vous assoiffe pas de travailler avec une parole qui produit du résultat? Ça ne vous assoiffe pas de travailler avec une parole efficace? Amen. Ça ne vous assoiffe pas de voir qu'il y a des fruits quand on sert Dieu? Il y a un résultat. Parfois, nous, on a arrêté, mais c'est parce que l'adversaire sait bien. Et c'était pour nous empêcher de voir le résultat. Mais Dieu voit d'abord le résultat. Et il verra toujours le résultat. Alléluia! La Bible dit, mais comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas connu s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui est envoyé, s'il n'y a personne qui rentre dans son appel, s'il n'y a personne qui rentre dans sa vocation, qu'avons-nous à conquérir? Une foule innombrable d'âmes qui se perdent, qui dévalent en enfer. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si on le réalise suffisamment. Des âmes qui partent en enfer. Et il y en a toutes les secondes qui partent. Ceux qui suicident, ceux qui meurent. Il y en a tellement qui partent en enfer. Mais Dieu a un projet. Et le projet, c'est toi. Amen. Je me souviens d'un témoignage à Saint-Brieuc. Vous avez une des villes qui est plus cotée
C'est la, si je ne me trompe pas, la deuxième ville la plus cotée en taux de suicide en France. Donc ça veut dire la région de Bretagne qui est là, c'est une des plus concernées par le suicide que toute la France avec les dom-toms. C'est impressionnant. Hein. Et un jour, il y avait un jeune. Il a dans son cœur la pensée d'aller sur ce pont morbide de Saint-Brieuc. D'aller là parce qu'il a à cœur d'y aller. Il faut qu'il y aille. Il ne sait pas pourquoi. Il hésite, se demande pourquoi. Il y a quelque chose à faire, mais il hésite et il finit par y aller. Et à un moment donné, quand il arrive sur ce pont-là, c'est le pont d'Armor à Saint-Brieuc, et qui passe d'un quartier au centre-ville. Et la balustrade, elle est assez basse. Et bon nombre de personnes sautent par là. Et bon nombre finissent en bas, se tuent. Et ce jeune-là, il tombe dans le timing de Dieu. Ce jeune, il est interpellé, poussé par l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il y aille, il ne sait pas pourquoi. Il arrête tout ce qu'il fait, il y va. Et au moment qu'il arrive, il voit le gars, il est là, il est prêt à sauter. Alors il approche. Il arrive petit à petit à parler avec, à négocier les choses. Et au final, de l'empêcher. Ce gars-là, il est revenu du bon côté et il a été sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Par contre, ça c'est ce que lui a fait. C'est son expérience. Dieu projette avec toi de sauver des âmes. Et si tu n'y vas pas, que vont devenir ces âmes? Tu comprends? Dieu projette sauver des âmes avec toi. Et si tu n'y vas pas, ils vont en enfer. Et on aura certainement des comptes à rendre à Dieu. Ce n'est pas une contrainte. Mais il faut être conscient que si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être parce que quelqu'un a témoigné. Amen. C'est quelqu'un est venu vers toi, il a osé. Il s'est dit, c'est de la folie, lui, quand je le vois, il ne va jamais me recevoir. Elle, quand je lui parle, j'ai l'impression qu'elle va me bouler, qu'elle va m'envoyer bouler. Et ils ont bien fait d'investir dans la maquette. Amen. Dieu projette sauver des âmes avec toi, bien-aimé. Ce soit ici en Côte d'Ivoire, et peut-être demain en France, peut-être demain en Hollande, peut-être demain aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne. Dieu projette de déposer, Dieu a suffisamment de foi pour déposer dans des vies un projet. C'est le projet de Dieu, et on ne peut pas se détacher du projet de Dieu quand il est dans nos cœurs. Quand il est engendré dans nos âmes et quand il est communiqué à nos vies, c'est le projet de Dieu. Amen. Et il faut que les âmes passent des ténèbres à la lumière. Vous vous rendez compte cet après-midi que si chacun, dimanche, on amenait une âme au Seigneur, alléluia, l'église deviendrait vite trop petite. Si dimanche on venait avec une âme chacun, l'aménagement du local pourrait l'oublier parce qu'il faudra arracher un autre local. Amen. Alléluia. Amen. Alors tant pis si le local n'est pas fini, il faut en acheter un autre. Ah oui, mais pasteur, l'église soit trop petite, c'est normal. Et que l'église grandisse de plus en plus.
En France, ce qui se passe, c'est que les églises grandissent. Alléluia. On est émerveillé dans la mission dans laquelle je travaille. On est émerveillé de voir qu'il y a beaucoup de projets immobiliers. Des renouvellements de locaux, de changer des locaux, d'investir dans de beaux locaux, dans de plus grands locaux. On est émerveillé. Dieu prépare des choses en France. Et quand on a des pasteurs, des collègues et qui vont à l'étranger, ils reviennent et souvent ce qu'ils nous disent, mais ils disent les frères et sœurs à l'étranger, ils voient des choses venir sur la France. Ils voient des temps de Dieu, un arrosage précis de Dieu, la bénédiction, le réveil, il y a des choses qui arrivent en France. Dieu est en train de tout préparer, mes frères et sœurs. On aura besoin d'ouvriers. On aura besoin de frères et sœurs, on aura besoin de couples, on aura besoin d'hommes et de femmes de Dieu et qui viendront pour partager l'évangile, et qui viendront pour ensemencer les terrains, et qui viendront pour moissonner les âmes. Mais qui répondra à l'appel? Et qui répondra à l'appel de la France? Et qui répondra à l'appel de l'Europe? Dieu ne veut pas que tu restes tranquillement chez toi. Tu roules ta bosse comme un chameau toute ta vie. Mais le Seigneur veut que tu puisses aller au-delà et servir au travers des nations. Dieu regarde les nations comme sa maquette, comme son projet. C'est le projet de Dieu. Je ne peux pas regarder les choses comme à Saint-Brieuc seulement. On ne peut pas regarder le projet de Dieu comme étant à Abidjan seulement. On est obligé d'avoir un champ de vision bien plus grand, bien plus large. Nous avons besoin de conquérir le cœur de notre prochain. Alléluia. Nous avons besoin de conquérir le cœur de notre prochain. Tu es en mission déjà chez toi. Et il y a une mission à venir. Il y a une mission qui sera pour certains d'aller sur des champs de mission, de rentrer dans un travail, alléluia, on le proclame. Dieu veut qu'on aille atteindre des gens qui nous attendent en fait. Parce que le problème que l'on a souvent, c'est qu'on a peur. On dit non, je ne peux pas lui parler à lui. C'est tellement quelqu'un de fort, tellement quelqu'un de bien, tellement quelqu'un qui présente mieux que moi, qui parle mieux que moi, qui fait mieux que moi. C'est pas possible. Mais au fond, dans leur cœur, parfois, ils sont tellement malheureux. Et il y a besoin qu'on soit là pour les aimer et pour leur donner une parole. Je suis émerveillé, moi, d'entendre des témoignages, de savoir que parfois, des gens ont été contactés une fois là, et une fois là, et ils sont donnés à Jésus. Ils sont la maquette de Dieu, ils sont le projet de Dieu. Dieu les a aimés, il les a cherchés là, il les a cherchés là, et là, il les a trouvés. Amen. Alléluia! Et pour ça, c'est des ouvriers qu'il faut. C'est des gens, des femmes et des hommes de Dieu. Pouvoir témoigner. L'église, elle est belle. Amen. Imagine que demain tu pars, on va dire en Hollande, pour servir le Seigneur. Dites-moi en passant, c'est pas forcément la moisson d'âme qui est le plus important pour Dieu, parce que Dieu dira bon et fidèle serviteur. Il dit pas t'es un bon et fidèle serviteur en fonction du résultat, mais en fonction de ses capacités à être le bon et le fidèle serviteur. C'est pas le résultat que Dieu cherche. Dieu te demande pas de convertir le monde. Dieu te demande pas de changer le monde. Dieu te demande d'être un témoin. Alléluia. C'est beaucoup plus simple, crois-moi. Amen. C'est plus simple d'être un témoin. Parce que parfois, on a le sentiment de croire qu'on doit tout faire et tout changer. Alors imagine que demain tu pars en Hollande. Tu t'installes. Et tu vas commencer à t'intégrer dans une ville. Parce que là, on parle d'intégration. Et il arrive que, parfois dans une ville, il y a besoin de lier du lien avec les voisins, avec des proches, avec des nouveaux amis.
avec peut-être une famille, et de partir pour quelque chose de nouveau. Vous vous rendez compte? Là, il faut tout changer. Ce qu'on a l'habitude de faire à Abidjan, ce qu'on a l'habitude de faire à Saint-Brieuc en Bretagne, on est obligé de le changer. C'est plus la même façon de travailler. On ne peut pas faire la même chose. Comme on fait en France, comme on fait ici à Abidjan. On ne peut pas faire les choses à Abidjan en France. Il y a des choses, il faut s'adapter. Il y a des choses, il faut s'intégrer. Et c'est important qu'on en ait conscience, frères et sœurs. Le Seigneur nous a fait pour nous adapter. Paul a dit, et je me suis fait tout à tous. Il n'a pas demandé aux autres de faire comme lui, de rentrer dans son moule. Il aurait pu l'exiger comme homme de Dieu, il aurait pu le faire. Mais il s'est adapté, il s'est intégré. Et je pense qu'il nous est nécessaire aussi de parler de l'évangélisation, mais aussi de l'intégration, parce que c'est tellement important de pouvoir nouer de nouvelles relations avec les voisins, à l'école, dans un lieu de travail. Tu vas vite côtoyer des gens différents, mais surtout pas de grâce, surtout pas un renfermement culturel, mais une ouverture qui nous permet d'agir, parce que notre Dieu est un Dieu d'ouverture. Alléluia! Dieu est un Dieu d'ouverture. Mon frère, ma sœur, avec tout le respect que j'ai pour toi, si demain tu arrives en Hollande et Dieu t'appelle à un service et que toi en arrivant tu cherches que peut-être à retrouver des frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes, pour dire là je me retrouve, là je me situe, c'est bien, oui c'est très bien, t'en as besoin. Mais ce n'est pas ça la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, c'est que tu t'intègres. C'est que tu apprennes à parler la langue. Le but de Dieu, c'est que tu apprennes les choses. C'est que tu crées des nouvelles relations. C'est que tu rentres dans un contact. C'est une ouverture totale. Rentre pas dans ce chemin de ces chrétiens et qui se renferment, qui se replient et qui finissent par végéter en eux-mêmes, et il n'y a plus d'épanouissement. L'épanouissement, c'est quand il y a l'ouverture. Vous m'avez vu danser tout à l'heure. Alléluia. Ma femme, elle aurait bien vu. Elle aurait bien voulu voir. Alléluia. Il faut s'adapter. Et le Seigneur change. Jésus change encore ma vie au jour d'aujourd'hui. Amen. C'est pas parce que je prêche l'évangile que je suis parfait, que je suis clean, que je sais tout, que j'ai tout vu, que j'ai tout appris. J'ai encore tellement à apprendre. Et vous savez, Dieu est bon parce que j'apprends avec vous ce week-end. Alléluia. Amen. Et moi je suis heureux, j'apprends avec vous, au milieu de vous. Et le ministère se développe par rapport à ça aussi, l'intégration, de s'adapter, d'apprendre au travers des frères, des sœurs. C'est comme ça qu'on apprend, au travers de stages pastoraux. Et on est appelé à changer. Dis-moi, dans la vie, ça arrive plusieurs fois de déménager? Ça arrive assez souvent, non? Non, ça vous arrive jamais? Ça arrive parfois de déménager. Alors là, on recommence. Nouveau voisin, nouvelle relation, nouveau contact peut-être avec la municipalité, avec le tissu associatif, avec les associations sportives, etc. On est obligé de tout recommencer, croyez pas? Parce que c'est aussi ça l'œuvre de Dieu. Il t'a fait connaître aux humains ce qui est bon. Et ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. Amen. Michée 6:8. Ésaïe 1:17. Apprenez à faire le bien, l'équité. Et recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'opprimé.
Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voyez-vous, partir à l'étranger, c'est un plan, c'est une maquette. On en parlait ce matin, c'est une vision. Alléluia. C'est un plan. Paul cherchait à un moment donné dans ses voyages missionnaires quoi faire, comment faire, où aller, etc. Et un Macédonien va apparaître dans son songe pour lui dire « Mais passe chez nous par la Macédoine. » Et c'est là qu'il reçoit pour lui une directive et il part en Macédoine. Mais il devra apprendre, mais il part sur une vision, alléluia. Il part, il reçoit un plan de route, une mission, une passion. Il entre dans une nouvelle dimension pour une communication céleste qui dicte une compassion et la compassion qui dicte une action. Alléluia. Et le problème, c'est que parfois on s'arrête en route. On a une vision, mais on ne va pas jusqu'à la compassion et parfois encore moins pour dicter l'action. Comprenez ? Il y a vision, compassion dans nos cœurs, dans nos entrailles. Ça nous travaille et on n'a pas de relâche. Et là, et on ne peut pas faire sans. C'est là, c'est dans nos cœurs. Et après, ça te dicte ton action. Amen. Tellement important au regard du Seigneur. Alors, étant concernant une vision, il dépose dans un cœur, acte 13, c'est ce que vous voyez. Et il confirme par ce qui était donné dans les cœurs, lorsqu'ils prennent un temps de jeûne et de prière. Ça permet au Saint-Esprit de parler, de débloquer les choses, d'orienter, de propulser et de chasser les ouvriers dans la moisson du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, je voudrais vous parler aussi de l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, c'est tellement important au regard de Dieu. Dieu investit dans l'évangélisation. Nous, parfois, on investit dans nos locaux. On investit dans une belle chorale, on investit dans du projet pédagogique pour les enfants à l'école du dimanche. On investit dans un tas de choses et je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est très bien. Mais Dieu investit dans l'évangélisation. Alléluia. Et nous devons être conscients que c'est tellement important pour voir Dieu agir. De mener parfois une action de proximité. Un contact à plusieurs niveaux, je voudrais vous donner une trame. C'est d'abord parfois de cibler un pays. Si tu l'as sur le cœur, tu cibles un pays, tu pries pour une ville, tu pries de manière à ce que Dieu montre. Ah, tu cibles les choses, tu cibles les autorités pour apprendre à les connaître. Contact peut-être avec le cabinet du maire pour ouvrir les besoins. Et pour connaître les besoins, ouvrir nos yeux sur leurs besoins, leurs préoccupations du terrain. Cherche le bien de la ville. Cherche le bien de la ville où tu es. Amen. Adapter une action par rapport aux besoins de la ville. Pas reproduire la vision d'un autre. De rentrer dans sa vision. De rentrer dans ta moisson. Le travail en lumière assure. N'est point honte du témoignage à rendre de l'évangile. Si tu cibles un pays et que demain tu pars à l'étranger, il faut penser à intégrer une assemblée locale. Ça ne sera pas pareil. Ah non. Ça sera peut-être compliqué. Moi, j'ai connu des frères et des sœurs qui sont passés dans l'assemblée comme visiteurs pour voir, observer, pour découvrir et dire est-ce que l'assemblée va coller à ma réalité. Alors c'est vrai, c'est normal, mais on est aussi conscient que parfois on a besoin d'apprendre d'autres choses. Et le problème, c'est que parfois le chrétien il n'apprend plus, ne veut plus, alors que Dieu ne manque pas de nous apprendre beaucoup de choses. Cibler une ville. Dieu est créatif et Dieu veut nous ouvrir les yeux sur ses plans, d'étudier le contexte culturel, le cadre de vie, le quartier où tu arrives et de laisser Dieu nous inspirer, être observateur dans l'œuvre de Dieu, c'est tellement important. Avant d'agir, on observe, on regarde, on cible un pays, une ville, mais on peut aussi cibler aussi le besoin. C'est quoi le besoin ?
connaître les gens, la culture, l'enfance, le social, l'éducation, l'humanitaire, une œuvre de réinsertion, un travail en toute intelligence. Nous avons à Saint-Brieuc une épicerie solidaire qui est ouverte depuis 8 ans. C'est un travail pour aider les gens. Alors il y avait la vision, le travail a été fait par le pasteur avant moi. Et le pasteur avait à cœur d'avoir une épicerie où que les gens peuvent venir choisir ce dont ils ont besoin. Parce qu'ils savent de quoi ils ont besoin pour manger. Vous êtes d'accord ? Il y a parfois des collègues de banque alimentaire, on leur remet un colis, on leur dit « Mais voilà, bon appétit, bon courage avec toi, mais c'est pas ce qu'ils mangent. » Vous voyez l'incohérence ? Et le pasteur avait le projet de faire une épicerie solidaire. Ça veut dire les gens, ils viennent pour choisir ce dont ils ont besoin, ce qu'ils cuisinent en fait. Et le travail a été fait. Mais dans le maillage de la ville, il y avait déjà 4 œuvres qui faisaient ça. Les minima sociaux, il y avait la Croix-Rouge, Secours Populaire, Secours Catholique et le Resto du Cœur. Et nous, on faisait quasiment la même chose que les autres, si ce n'est que c'était une épicerie solidaire. Ce n'était pas des colis, c'était un choix. On a dû s'adapter. On a dû corriger le travail. Parce que le travail, c'était de pouvoir aider des gens qui n'étaient pas aidés par les minima sociaux. Vous voyez, dans ces structures-là, il y avait des gens qui n'avaient pas d'aide ailleurs. Et ces gens-là, ils étaient laissés pour compte. Alors que les minima sociaux, ils avaient des aides dans les quatre enseignes. Alors on a adapté, on a corrigé les choses et on a ciblé le besoin. C'est important de cibler le besoin. Amen. Cibler aussi, après, c'est cibler les gens. Je suis plus à l'aise peut-être à parler à des enfants. Je suis peut-être plus à l'aise à parler à des personnes âgées. Je suis peut-être plus à l'aise pour parler à des jeunes, à peut-être des Européens, des Africains. On peut cibler pour aider à la réinsertion. On peut mener une action orientée vers celui qui est différent de moi, car il définit un besoin spécifique. Et ça, c'est valable ici comme partout. On cible les gens. Qui est-ce qu'on veut atteindre ? Comment on veut les atteindre ? Et je dirais aussi, on cible un objectif. Amener une valeur ajoutée à la ville, à ton quartier. Ton défi, c'est d'être la lumière du monde. Alléluia. Ton défi, c'est d'être la lumière du monde. Alléluia. C'est d'apporter une valeur ajoutée. Ça veut dire que sans toi, les gens, il manque quelque chose. Et parfois, Dieu a projeté de faire un travail avec le ministre de la reine de Candace. Il a envoyé Philippe dans le désert. Il l'a envoyé là momentanément. Il l'a envoyé pour une personne. Et selon des commentaires, il semblerait que derrière, il y a eu tout un réveil. Parce que cet homme a été touché. Il en a touché beaucoup d'autres. Alléluia. Parfois, on a du mal à témoigner une personne, à lui dire « Jésus t'aime, tu sais ». Et la personne à qui tu vas témoigner, c'est une personne qui ne va pas s'arrêter. Alors ça vaut le coup, hein, de pouvoir les dire à d'autres. Amen. Je voudrais vous donner des idées, je voudrais vous inciter, vous encourager. Je voudrais vous stimuler avec des idées d'action simples pour favoriser un contact, choisir une intégration concrète. Et je suis un évangéliste dans l'âme, c'est vrai. Et nous sommes forcés de constater que dans les grandes campagnes d'évangélisation, le problème, c'est que après, que deviennent les gens qui ont répondu à l'appel ? On a fait peut-être une grande campagne, on a eu 10 000 personnes, on est heureux. Et il y a eu peut-être 5 000 personnes qui ont répondu à l'appel. Mais demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ils rentrent dans leurs problèmes, ils rentrent dans leurs enjeux, ils rentrent dans leurs défis, dans leurs problématiques. Ils vont être aussi rattrapés par l'adversaire. On ne va pas leur laisser la main leste. Et nous savons qu'il y a besoin d'être conscient. Ce n'est pas simple pour ces gens-là.
Ils vont venir avec leurs besoins, leurs problèmes. Ils vont entendre parler d'un jargon évangélique. Ils vont se dire, mais c'est quoi tout ça? Ils vont entendre des fausses promesses. Ils vont entendre aussi des problèmes d'église. Et ça reste un défi de taille, voire parfois même un miracle. Mais lorsqu'on parle de l'amour de Jésus, qu'on reste sur l'amour de Jésus, alors ça fait un travail merveilleux. Amen. Alors, selon les sources d'un évangéliste français, Franck Alexandre, il a regardé les textes et il dit « Jésus a privilégié une évangélisation de confrontation à l'évangélisation par l'amitié. Il n'a cependant pas négligé cette dernière. Et il a inventorié le nombre d'opérations d'évangélisation figurant dans les évangiles. Il en compte 89. 89 projets d'évangélisation dans les évangiles. Et il a noté qu'il y en avait 77 et qui étaient accomplis dans un contexte d'évangélisation, de confrontation. C'est la prédication comme cela, massive, publique. Et il note aussi 8 dans un contexte de relation. Cependant, ce n'est pas négligé. Sur les 46 opérations d'évangélisation entreprises par l'Église du 1er siècle, 38 se déroulèrent dans un contexte d'évangélisation, de confrontation, et seulement 8 dans un contexte de relation. Ne négligeons pas le relationnel. Ne négligeons pas le relationnel. Dis à ton voisin, ne négligeons pas le relationnel. Dis à ton voisin, ne négligeons pas le relationnel. Tout se fait pas derrière un pupitre, on le sait. Tout à l'heure, on parlait papa pasteur, maman pasteur, qui avait reçu le frère qui pleurait dans l'épreuve. Moi, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand j'ai trouvé une épaule pour m'entendre. Les gens, parfois, ils ont besoin d'un contact. Ils ont besoin peut-être d'une petite visite. Ils ont besoin qu'on vienne leur dire, mais tu sais, Jésus t'aime. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Et je voudrais vous donner des idées d'action, d'approche, de mise en relation par l'amitié. Parce que s'il y a des évangélisations massives, de proclamations, c'est des évangélisations de confrontation, il y a aussi de l'amitié. Faire des concerts gospel et d'avoir parfois des contactants dans le public qui nous permettent de créer du réseau, de créer du lien, de créer du contact, de faire peut-être un café biblique, un café Théo, de pouvoir faire un café Bible, de pouvoir faire des cours alpha, de faire une chorale gospel, de faire des visites en prison, de faire des visites aux hôpitaux, de faire des visites en milieu carcéral, en maison de retraite, un apprentissage d'un instrument de musique. Un jour, j'ai un gars qui m'appelle, j'ai un prof de musique qui m'appelle, un gars du monde, il fait des cours de musique dans le monde et il m'appelle, il me dit « Pasteur, j'aurais besoin de votre local pour faire des cours de guitare à mes élèves. » Alors au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut ce gars-là? Pourquoi il me demande à moi? Ils n'ont pas une école de musique. Et j'ai réfléchi, j'ai prié, et je me suis dit, mais c'est formidable. Et je lui ai dit, mais venez à l'église, pas de problème. Je vous prête la salle, nombre de fois vous en aurez besoin. Je vous prête l'église. Alors il est arrivé avec quasiment une dizaine de personnes. Et je les ai accueillis, je les ai salués. Je leur ai dit, écoutez, je vous laisse tranquille, travaillez bien, super. On est très heureux, très honorés de vous accueillir. Et après, quand ils ont fini leur cours, ils sont venus me voir. Et ils m'ont posé des questions. Ça a créé un lien, un relationnel. Alléluia. Sans ça, j'aurais jamais eu contact avec eux. Je serais jamais rentré en contact avec ce gars-là. Je savais même pas qu'il existait. Je ne savais même pas où il était.
de quoi il avait besoin. Mais c'est lui qui est venu vers moi. C'est merveilleux, croyez pas? C'est lui qui est venu vers moi. Et faire de l'animation d'enfants dans des quartiers, c'est merveilleux. Il y a de la jeunesse parmi vous. Amen. Non, les jeunes ne sont pas là. Les jeunes sont là. Amen. Est-ce qu'il y a de la jeunesse à Abidjan? Est-ce qu'il y a de la jeunesse à Abidjan? Elle est où la jeunesse à Abidjan? Ouh, elle est où la jeunesse? D'aller voir les enfants de la rue pour faire des transmissions de la parole, mais de l'adapter, parce que nous on le fait à Saint-Brieuc, on l'a fait dans un quartier chaud. C'est tellement chaud qu'un jour on a failli mettre le cutter. Et là, toute l'équipe nous a regardé, s'est dit, mais papa pasteur, on va lui trancher la gorge. Ah, ils intercédaient. Hein. Et je suis là, Dieu m'a fait grâce. Mais le gars, j'ai pu parler avec lui. Amen. Et ils ont besoin qu'on vienne les déranger, qu'on vienne leur parler de l'amour de Dieu. Qui se lèvera pour les enfants des quartiers qui traînent dans la rue, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment vivre, de pouvoir avoir des panneaux avec peut-être des chants, leur apprendre. On a appris notre première action de quartier avec une sœur qui travaillait dans un appartement en France. La sœur, elle louait avec ses propres deniers un appartement. Et elle arrivait samedi avec sa guitare. Et elle jouait des chants, les enfants, ils couraient derrière sa voiture. Et c'était un quartier chaud, il y avait beaucoup d'Africains. Et les enfants couraient derrière la voiture. Et après, ils rentraient dans l'appartement, ils faisaient des leçons. Elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. Alléluia. Les futurs dirigeants de la société, les futures personnes de la société de demain, elle leur parlait de Jésus. Elle louait un appartement avec ses propres deniers. Elle ne demandait rien à personne. Et elle faisait son évangélisation. Dieu a fait que, des années après, je suis arrivé dans mon premier stage en assemblée, dans cette assemblée-là. Et on a commencé à prendre le relais sur la place du marché, parce que la sœur faisait ça et elle faisait aussi la place du marché. Et il y avait un frère qui avait eu à cœur, s'était converti. Et le frère qui s'est converti, il est allé voir le maire, il a dit, on voudrait avoir une place sur le marché pour tenir un stand biblique. Et vous savez ce qu'il a dit, le maire? Vous savez ce qu'il a dit, le maire? Vous savez ce qu'il a dit, le maire? Il a dit, votre place vous attend. Parce que vous avez déjà une place. Quoi? Ben oui, parce qu'avant vous, il y avait une sœur qui le faisait avant vous, il y a quelques années. Donc vous avez déjà une place. Waouh! Ce frère est rentré dans ce travail et il a servi le Seigneur d'une manière merveilleuse. Et quand je suis arrivé dans cette assemblée, j'ai retrouvé les enfants de la rue qu'on avait vus avec ma femme dans le quartier. Et les enfants avaient grandi et on les voyait venir à l'assemblée. Alléluia! C'était merveilleux de voir l'œuvre du Seigneur. Un atelier jeunesse peut-être en ville pour parler de leurs besoins, de leurs problèmes. Il y en a, ils ont fait des stands de jeux PlayStation pour les jeunes. Ils ont dit, on met une PlayStation, tu t'éclates, tu t'amuses un moment, et un moment, après on va parler. Et après ils parlent de Jésus. Alléluia. Amen. Peut-être il y a des actionnaires, demain ils vont acheter une petite pièce en ville pour mettre une PlayStation. Et les jeunes vont jouer et après ils vont parler de Jésus. Alléluia. Vous voyez, c'est des idées, c'est tellement important. Peut-être un maquillage pour enfants avec un goûter. Et de manière à avoir du relationnel, du contact avec les gens. Ne pas avoir peur de créer du lien. D'atteindre des gens, des Européens, de travailler parmi peut-être des prostituées. D'avoir un bus social, de faire des cours à domicile, des cours particuliers. C'est autant d'idées que je vous donne.
Parce que c'est tellement important d'avoir des idées, de travailler, de se laisser inspirer par Dieu. Amen. Il faut, bien aimé, adapter notre action aux besoins. On a vu une fois, dans une ville à proximité de Paris, à Chartres, on était arrivé dans un quartier chaud, on faisait de l'évangélisation de rue, et on était arrivé là, et on avait bien ficelé le projet quelque part, mais on n'avait pas fait attention que le frère qui venait pour chanter dans le quartier, en plus un quartier chaud, lui c'était un Antillais qui était venu et il chantait la communion fraternelle. Et il faisait danser tout le monde sur la communion fraternelle. Mais les gens dans le quartier ne comprenaient pas et se demandaient c'était quoi. Il avait une action qui n'était pas adaptée, vous voyez. Donc toujours réfléchir, adapter son action de manière à pouvoir faire aussi du bien. Je connais un pasteur marocain sur Paris, Paris 2e. Il s'appelle Saïd Oujibou. Et ce pasteur, il a trouvé des fonds de manière à louer un appartement en ville. Et il a aménagé l'appartement à la type marocaine. Ça veut dire quand vous arrivez dedans, c'est que des tapis à la marocaine, des canapés partout. Et les gens, ils vous serrent le thé à la menthe comme ça. Et vous enlevez les chaussures. Et vous savez pourquoi il fait ça? Vous savez pourquoi il fait ça? Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, dans cet appartement, c'est une passerelle pour lui entre l'église et la rue. Il a voulu faire une passerelle, une étape. Et vous savez ce qu'il fait dans cette maison? Il fait des confrontations avec les barbus, les salafistes, avec des chrétiens qui parlent de la Bible. Il fait des débats entre l'islam et la Bible. C'est de la folie, c'est un truc de malade. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Il sait comment travailler, c'est son champ d'action, c'est son ministère, c'est sa vocation. Il est marocain, il sait comment il faut faire. Il sait comment il faut leur parler de Jésus. Et il y a suffisamment de preuves avec la Bible qu'à un moment donné, les barbus, ils sont là. Et parfois, des cœurs sont touchés. Alléluia. Croyez pas que c'est un projet innovant? C'est pas je t'emmène dans l'église, point, terminé, point, il n'y a que ça. Mais parfois il y a une case d'entre deux. Il y a besoin d'accompagner les gens avant de leur demander de rentrer dans une église. Ça arrive aussi ça. Et c'est tellement merveilleux. Et ce frère, vous savez ce qu'il a fait aussi? Il a fait un atelier de soins pour les femmes marocaines. Vous savez les femmes voilées? Les femmes qui sont cachées derrière un voile. Les femmes qui sont souvent malmenées, elles sont là pour les bénir. Alors elles sont là, elles mettent du vernis aux ongles. Elles sont là pour les coiffer. Ils ont fait un petit salon de beauté pour ces femmes-là. Et ça leur fait beaucoup de bien. Et après, quand ils ont l'opportunité, ils témoignent. Ils parlent du Seigneur. Mais ils ne sont pas là pour forcer les choses. Mais ils rendent ces femmes belles. Parce qu'à longueur d'année, elles sont cachées derrière un voile. Et ils sont là pour les bénir, pour les valoriser, pour les entretenir, pour leur faire beaucoup de bien. Et croyez-moi, c'est quelque chose vraiment de bénissant pour ces femmes. De prendre soin des femmes musulmanes. Parce que c'est elles qui, en fait, s'occupent de la maison. Alléluia. Et quand le témoignage rentre dans une maison, ça fait boule de neige. Alléluia. Amen. Alors que Dieu soit béni pour son œuvre. Alléluia. Je voudrais terminer sur un point important. Parce que dans le relationnel, dans le contact que vous engagez avec les gens. Tiens mon frère, viens voir. Non, non, toi, toi, viens voir. Guy Martial. Guy Martial, tu as combien de voisins? Euh,
Assez de voisin. Guy Martial, tu as combien d'amis? Assez d'amis. Assez d'amis. On est d'accord? Guy Martial a déjà quoi faire. Mais moi, Hervé de la Balle, je connais pas les voisins de Guy Martial. Je connais pas les amis de Guy Martial, comprenez? Donc lui, Guy Martial, il a son réseau de contacts. Il a son répertoire dans son téléphone. Il a son carnet d'adresses. Comprenez? Et ça, c'est pas ma sœur qui l'a. C'est pas un frère qui l'a, c'est Guy Martial. Et ça, c'est son réseau à lui. Vous imaginez, frères et sœurs, tous les réseaux qu'il y a là, au milieu de nous, tous les amis que vous avez, tous les voisins que vous avez. Alléluia! Ça, c'est votre réseau de contact. Ça, c'est le réseau de contact à Guy Martial. C'est tout, je laisse tranquille. Merci, mon frère. Et voyez-vous, dans le réseau de contact, parce que ce qu'on a appris dans l'évangélisation qu'on a fait, c'est que dans les gens que vous côtoyez, vous allez peut-être faire une fête, vous allez peut-être organiser un goûter pour les enfants du quartier, et vous allez avoir des gens qui vont venir, mais au fond, ils ne sont pas intéressés. Ils viennent, ils repartent. Par contre, dedans, il y a des gens qui vont être ce qu'on appelle l'homme et la femme de paix. C'est quoi ? L'homme et la femme de paix, c'est la personne qui se sent concernée et qui s'ouvre à ton contact. Elle se sent bien dans ta présence. Elle se sent à l'aise avec toi. Et la personne, elle vient vers toi. Elle a une facilité avec toi. Et d'autres n'ont pas cette même facilité. Et ça, il faut que tu le remarques. Il faut que tu le perçoives. Parce que ça, c'est des hommes et de femmes de paix. En fait, c'est des gens qui sont mûrs, c'est des gens qui sont prêts, c'est des gens qui sont favorables. Tu n'as plus qu'à les cueillir. Tu ne vas pas aller courir 10 ans derrière quelqu'un qui te rabâche et qui te dit « mais j'en ai rien à faire, ton Jésus ». Ça ne sert à rien de le poursuivre, de le harceler. Parle de Jésus à celui qui vient vers toi. Amen. L'homme et la femme de paix, n'oubliez jamais ça. C'est évident, mais il faut le savoir. Et c'est la personne qui parfois va même ouvrir sa maison et qui va ouvrir son cœur et qui va venir te chercher, qui va te poser des questions. C'est la personne qui va chercher à avoir des éléments. Et là, c'est un travail facile, bien-aimé. Tu n'as plus qu'à prier, ça va aller tout seul. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça, le travail, le relationnel. Et c'est merveilleux de pouvoir vivre et toutes ces choses avec la grâce du Seigneur. Alléluia. Oh, c'est merveilleux de vivre le plan du Seigneur. Et je me souviens d'un témoignage d'un frère qui est en mission en Côte d'Ivoire. Là, on devrait se voir avec Pasteur Maï. On devrait le voir en début de semaine. Il est en pleine mission d'évangélisation à Abidjan. Et il vient aussi de la France. Il vient du nord de la France. Le pasteur Philippe Dugard. Il a exercé son ministère sur une église en région parisienne, à Mantes-la-Jolie, peut-être que vous connaissez, dans un quartier très chaud, de Valfouré. Et cette assemblée avait 22 ethnies différentes. Alléluia, hein ? 22 ethnies différentes. Ils ont travaillé à la diversité. Ils n'ont pas travaillé à rester entre eux, à faire une église culturelle, mais ils ont travaillé à avoir 22 ethnies différentes. Et vous savez ce qu'il disait, le député maire? Il rendait un bon témoignage. Il rendait un bon témoignage et il les prenait souvent pour exemple, pour dire qu'ils dégageaient une certaine unité. Ils voyaient quelque chose qui les soudait entre eux. Alléluia! Ça parle, hein? Ça parle à nos autorités de voir ce que Jésus est capable de faire. Un témoignage favorable dans la vie. Alléluia. Vous savez qu'une forêt a une diversité d'arbres. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Dis amen.
La forêt a une diversité d'arbres. Par contre, quand les arbres perdent leurs feuilles à l'automne, ils sont tous pareils. Et quand parfois nous sommes dans l'automne de nos vies, les feuilles tombent, il n'y a plus la vie, on ne reconnaît plus la diversité. Et on vit comme un certain automne, un hiver. Mais quand les feuilles reviennent, waouh, vous avez toutes les couleurs, comme à l'automne. Vous avez toutes les couleurs, toutes les variétés, toute la diversité, c'est beau. Et l'Église, c'est ça. Amen. L'Église, c'est ça. Il y a toute une diversité. Alors Seigneur, je ne veux pas rester à l'automne, à l'hiver de ma vie, mais je veux être le printemps de ma vie. Et pour être là, pour porter mon image et porter avec d'autres une autre image, mais de porter cette diversité de manière à ce que d'autres voient l'amour de Jésus. Alléluia. Regardons les débuts de l'Église. Les débuts de l'Église, dès que Jésus est retourné à la droite de Dieu, s'est assis à la droite du Père. Les disciples étaient 120. On aurait pu dire que c'était une Église culturelle. C'était l'Église des Juifs. C'était bien. C'était pas un problème. Mais le Saint-Esprit, quand il est venu les remplir, qu'est-ce qu'il a fait? Le Saint-Esprit est venu et les a poussés à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y avait des nations étrangères. Comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles? Le parle, les lamites, etc., etc. Ils parlaient des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais ils parlaient la langue des nations qui étaient là. Et l'effusion du Saint-Esprit convient parfaitement pour nous donner d'être en contact avec toute une diversité de personnes. Alléluia, dis Amen. Dis Amen bien. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit est faite pour toutes les nations. Amen. Pour la diversité. Amen. Les nations ont le droit, les nations doivent, au travers de l'Église locale, au travers des chrétiens, de vivre le rapprochement de d'autres nations. Alors en plus de donner la diversité, Seigneur a donné des dons, des talents. Alléluia. Il a donné des dons, des talents, et moi ça m'inspire l'Église aujourd'hui. Ça m'inspire. Parce que même si c'est compliqué de travailler avec un ensemble, de culture, de besoins, de façon de voir, de façon de faire, de façon d'appréhender les choses. Eh bien, croyez-moi bien, le meilleur est là. Le meilleur sera devant le Père, devant le trône, quand les nations seront réunies. Amen. Dis Amen si tu es d'accord. Alléluia. Le Saint-Esprit nous poussera toujours au contact d'autres personnes différentes. Diversité de dons, dit l'homme de Dieu. Il a fait des dons aux hommes, et c'est là que tu es toi-même un don, de manière à incarner le don de Dieu, et pour qu'ils le reçoivent comme étant un cadeau de Dieu. Et c'est tellement merveilleux. Mais conquérir à l'étranger, je disais, gardons en vue la diversité. Composons l'Église dans la diversité. Non pas pour dire c'est moi qui ai raison, ça doit être fait d'après ma culture, d'après moi, d'après mon schéma, mais fait d'après la diversité que Dieu nous donne de vivre. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Et c'est sûr, si, eh bien, dans ce que vous vivez ici en Côte d'Ivoire, si demain vous le vivez en Hollande, vous le vivez aux États-Unis, il y a des choses qui vont changer. Mais c'est tellement important que nous soyons vraiment sensibles à ça. Qu'on entende la voix de Dieu, la voix de l'Esprit, pour nous préparer aux perspectives de Dieu, nous préparer aux enjeux des âmes, nous préparer non pas à notre bien à nous, mais nous préparer au bien des âmes. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever. On va prier. Alléluia. J'ai trois sujets de prière. Premier sujet de prière, c'est un défi.
C'est un appel. C'est peut-être ton appel. Celui que tu étouffes dans ton cœur. C'est peut-être un appel que tu as laissé abandonner. C'est peut-être un appel qui te fait peur. C'est un appel pressant. Toi et viens et suis-moi, a dit Jésus. Amen. C'est un appel. Jésus s'adresse à toi, il t'appelle. Autant qu'il y a l'appel à la conversion, autant qu'il y a l'appel au service, l'appel aux perspectives de Dieu, l'appel aux choses de Dieu, l'appel à la maquette de Dieu, celle que tu as rangée, celle que tu as mise dans le placard, celle qui te fait peur. C'est un appel. Pendant que l'équipe de louanges va chanter un chant, nous allons prier. S'il y a des personnes qui, dans leur cœur, savent qu'il y a un appel sur leur vie à quelque chose, je vous inviterai à venir sur le devant. Nous allons prier avec Pasteur Maï, afin que Dieu vous aide. Parce qu'on croit que Dieu est capable d'appeler au jour d'aujourd'hui. On croit que Dieu est capable d'appeler aujourd'hui, amen. On croit que Dieu est capable de ranimer ton appel, de ranimer ton cœur, de ranimer ton appel, de ranimer tes perspectives, de ranimer ce qu'il a déposé dans ton cœur. Dieu est capable d'appeler encore. Dieu est capable de te rappeler cet après-midi qu'il te cherche, qu'il te veut entier. Il te veut pas à moitié. Il te veut pas à demi-mesure. Il te veut tout entier sur son autel. Alors qui osera dire au Seigneur, me voici? Je ne pourrais pas imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus qui est donné. Je te prie, Seigneur, de me faire grâce. Je te prie, Seigneur, de me qualifier. Je te prie, Seigneur, de me qualifier. Je te permets, Seigneur, de me permettre à rentrer dans ton œuvre. Je te prie, Seigneur, de me permettre à rentrer dans ton œuvre. Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Souffle de ton esprit dans ma vie, Seigneur. Souffle de ton esprit dans ma vie, Seigneur. Ressors ce que j'ai mis dans le placard. Redonne-moi de prendre confiance. Redonne-moi une pleine confiance. Seigneur, je t'abandonne ma vie. Seigneur, je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne mes projets. Je t'abandonne mes projets. Je t'abandonne mes lendemains, Seigneur. Seigneur, si tu m'appelles demain à partir. Seigneur, si tu m'appelles demain à partir. Je veux être prêt à répondre à ta voix. Je veux être prêt à répondre à ta voix. Quoi que tu veuilles.
Seigneur, je fléchis le genou devant toi. Seigneur, je fléchis le genou devant toi. Seigneur, je t'apporte ma vie comme une offrande. Seigneur, je t'apporte ma vie comme une offrande. Comme tu as donné ta vie, Seigneur. Comme tu as donné ta vie, Seigneur. Alors reçois ma vie à ton service. Oh, reçois ma vie à ton service. Et renouvelle-moi dans de bonnes dispositions. Renouvelle-moi dans de bonnes dispositions. Apprends-moi au contact des autres. Aide-moi à trouver l'homme et la femme de paix. Aide-moi, Seigneur, à travailler, à mettre des choses en œuvre. Aide-moi à travailler avec des choses. À travailler pour faire du bien. À travailler pour faire du bien. À être un témoin, Seigneur. À être un témoin. Viens remplir ma vie de ta présence. Viens remplir ma vie de ta présence. Viens remplir ma vie de ta puissance. Viens remplir ma vie de ta puissance. Viens remplir ma vie de ta compassion, Seigneur. Viens remplir ma vie de ta compassion. Viens conduire ma vie à ta lumière. Viens remplir. Et que d'autres trouvent la lumière. D'autres trouvent la lumière. Seigneur, par mon témoignage. Seigneur, par mon témoignage. Seigneur, je dis amen. Seigneur, je dis amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. On a besoin de se mettre sans cesse sur l'autel. Un autre sujet de prière. C'est la préparation. Dieu nous prépare. Parfois, ça prend du temps. Mais c'est un sujet de prière à garder dans vos cœurs. Dieu nous façonnera toute notre vie. On ne sera jamais suffisant, mais on apprendra toujours de sa part. Et troisième sujet de prière, c'est une orientation. Seigneur, c'est toi qui orientes. Seigneur, il y a un appel, il y a une préparation. Mais il y a aussi une orientation. Et là, il ne faut pas louper le virage. Mais Seigneur, on te prie, Seigneur, de faire les choses. Seigneur, on te prie d'accomplir ta parole et de mener tout, Seigneur, à tes plans, tes desseins, comme toi tu le veux, comme toi tu l'entends. Et nous te bénissons de nous préparer, d'orienter, de diriger nos vies. Seigneur, que les enjeux de la moisson passent par ma vie. Que les enjeux, Seigneur, de la moisson passent par l'Église. Que les enjeux de ma génération passent, Seigneur, par ma maison. Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.